Tout ce que vous aimez sera emporté. Stephen King. Un motel 6 sur la Nationale 80, juste à l'ouest de Lincoln, dans le Nebraska. Il avait commencé à neiger en milieu d'après-midi. Du coup, le jaune agressif de l'enseigne avait pris des nuances pastel plus douces, dans la lumière déclinante du crépuscule. Comme c'est fréquent en hiver, le vent engendrait peu à peu, dans ce paysage infiniment plat du milieu du pays, un sentiment de vastitude et de vide. Pour l'instant, cela ne faisait que rendre les conditions plus difficiles. Mais si la neige tombait plus fort dans la nuit, la météo paraissait hésiter, la nationale serait fermée dès demain matin à la circulation. De toute façon, Alfie Zimmer s'en fichait. Un homme en veste rouge lui tendit ses clés, puis il roula jusqu'au bout du long bâtiment de parpaing. Cela faisait 20 ans qu'il était représentant de commerce dans le Midwest, et il avait mis au point 4 règles essentielles pour passer une nuit tranquille. La première, toujours réservée. La deuxième, réservée, si possible, dans un de ses hôtels franchisés, où l'on a ses habitudes. Holiday Inn, Ramada Inn, Comfort Inn, Motel 6. La troisième, toujours demander une chambre en bout de bâtiment. Ainsi, on ne pouvait être dérangé que par un seul couple de voisins. La dernière, toujours prendre une chambre au rez-de-chaussée. À 44 ans, Alfie était trop vieux pour se taper des putes à routier, bouffer du poulet frit et trimballer ses bagages dans un escalier. Depuis ces dernières années, les chambres du rez-de-chaussée étaient en général réservées aux non-fumeurs. Alfie y fumait sans complexe. Une voiture occupait le parking, face à la chambre 190. Tous les autres emplacements devant le bâtiment étaient également pris. Pas surprenant, on avait beau réserver et confirmer, si l'on arrivait tard, et passer 4 heures c'était tard pour un jour pareil, il ne restait plus qu'à se garer plus loin et à marcher. Les voitures appartenant aux premiers arrivés étaient nichées en une longue ligne entre les portes d'un jaune éclatant. Le capot contre le mur de béton gris, les vitres déjà recouvertes d'une fine couche de neige. Alfie, après avoir contourné le bâtiment, gara sa Chevrolet le nez pointé vers la plaine, vaste et blanche, qui devait être le champ de quelques paysans, et s'enfonçait sans fin dans la grisaille du crépuscule. Aux limites de la visibilité, on devinait les minuscules lumières d'une ferme. Là-dedans, des gens étaient blottis. Là-dehors, le vent soufflait assez fort pour faire tanguer la voiture. Une rafale chargée de neige fit disparaître les lumières pendant quelques instants. Alfie était un homme corpulent, au visage rubicon, à la respiration bruyante de fumeur. Il portait un pardessus, car, quand on était un commercial, c'était ce qui plaisait aux clients. Pas de blouson. Les commerçants avaient, eux, des clients, portant des blousons et des casquettes John Deere. Ils leur vendaient des choses, ils ne leur en achetaient pas. La clé de sa chambre était posée sur le siège à côté de lui. Elle était retenue par un diamant en plastique vert. C'était une clé véritable, pas une carte magnétique. À la radio, Clint Blake chantait « Nothing but the tail lights », une chanson country, parlant des feux arrière d'une bagnole. Il y avait à présent une radio FM rock, à Lincoln, mais Alfie trouvait que le moment n'était pas au rock'n'roll. Ni le moment, ni le lieu. Il suffisait de passer en onde moyenne pour entendre encore des vieillards courroucés invoquer les flammes de l'enfer. Il coupa le moteur, mit la clé de la 190 dans sa poche, vérifiant en même temps que son carnet de notes s'y trouvait bien. Son vieux pote de carnet. Sauver les juifs russes, se récita-t-il, collectionner les objets de valeur. Il descendit de voiture et une rafale de vent le prit par surprise, le faisant osciller sur lui-même, plaquant son pantalon autour de ses jambes. Et il partit d'un rire surpris et enroué de fumeur. Ses échantillons étaient dans le coffre, mais il n'en aurait pas besoin ce soir. Non, pas ce soir, pas du tout. Il prit sa valise et son porte-documents sur le siège arrière, referma la portière, puis appuya sur le bouton noir du porte-clés. Le bouton qui verrouillait toutes les portières. Le rouge déclenchait une alarme, et on devait l'utiliser, en principe, en cas d'agression. Alfie n'avait jamais été agressé. Sans doute, pensait-il, les représentants en épicerie de luxe devaient-ils l'être rarement, en particulier dans ce secteur du pays. Il y avait un marché pour les produits alimentaires de luxe, au Nebraska, en Iowa, en Oklahoma, au Kansas
et même dans les deux Dakota, aussi peu croyable que cela paraisse. Afi avait obtenu d'excellents résultats, en particulier au cours des deux dernières années, depuis qu'il maîtrisait les tenants et les aboutissants du marché. Mais il n'atteindrait jamais le chiffre d'affaires d'autres secteurs comme celui des engrais, par exemple, dont l'odeur lui parvenait, d'ailleurs, portée par le vent d'hiver qui lui gelait les joues et leur donnait une nuance d'un rouge encore plus sombre. Il resta là, où il était quelques instants, attendant que le vent tombe. Il ne put alors revoir les petites lumières qui lui faisaient penser à des étincelles. La ferme. N'était-il pas possible que, derrière ces lumières, l'épouse du fermier soit en train de faire réchauffer une soupe au pois de Mark Cottager, ou de passer au micro-ondes une tarte du berger, ou un poulet à la française Cottager? Tout à fait. Pendant que son mari regardait le premier bulletin d'information, ses pieds en chaussettes, posés sur un tabouret bas, pendant qu'au premier, leur fils jouait à un jeu vidéo sur son GameCube, et que leur fille se prélassait dans la baignoire, enfoncée jusqu'au cou, dans une mousse parfumée, les cheveux retenus par un ruban, lisant The Golden Compass de Philip Pullman, ou peut-être un de ses Harry Potter, les livres préférés de la fille d'Alfie, Carlène. Et tout cela se déroulait derrière les petites étincelles, une vie familiale tournant sans heure sur son axe. Mais entre les habitants de la ferme et les limites du parking, s'étendait un champ plat de plus de 2 km, blanc sous la lumière déclinante du ciel bas, enfoncé dans le coma hivernal. Alfie imagina brièvement qu'il s'avançait dans ce champ en chaussures de ville, tenant son porte-document d'une main, sa valise de l'autre, franchissant non sans peine les sillons gelés, arrivant finalement là-bas, frappant à la porte. Celle-ci s'ouvrit, et il sentit l'odeur de la soupe au pois, cette bonne odeur réconfortante, et, venant de l'autre pièce, il entendit la voix du monsieur Météo, de KETV, annonçant « Et maintenant, voyons un peu ce système dépressionnaire qui nous arrive des Rocheuses. » Et que dirait Alfie à l'épouse du fermier? Qu'il passait juste pour dîner? Leur conseillerait-il de sauver les Juifs russes, de collectionner les objets de valeur? Commencerait-il en lui disant « Madame, d'après au moins une source dont j'ai appris connaissance, récemment, tout ce que vous aimez sera emporté. Voilà qui ferait une bonne entrée en matière, quelque chose qui pousserait l'épouse du fermier à s'intéresser à l'étranger de passage, lequel venait de traverser tout le champ est de son mari pour frapper à sa porte. Et quand elle l'inviterait à rentrer, pour qu'il lui en dise davantage, il pourrait ouvrir sa valise et lui offrir 2 ou 3 de ses boîtes d'échantillons, lui expliquer qu'une fois qu'elle aurait découvert les délicieux plats tout près de la marque Cottager, elle aurait très certainement envie de passer au plaisir encore plus raffiné de ceux de ma mère. Et au fait, aimait-elle le caviar? Beaucoup de gens aimaient ça, même au fond du Nebraska. Il se gelait. Il gelait sur pied en restant ici. Il se détourna du champ, se détourna des petites lumières, comme des étincelles à l'autre bout, et prit la direction du motel, marchant prudemment, comme un canard, pour éviter de prendre une gamelle. Le truc lui était déjà arrivé, Dieu lui pardonne. Le coup tirait vite fait dans le parking du motel aussi, une bonne 50aine de fois. Mais pour l'essentiel, c'était du passé, en fait, et sans doute était cela une partie du problème. Il y avait un avant-toit sous lequel on était protégé de la neige. Il y avait une machine à coke sur laquelle on disait « faire la pointe ». Il y avait une machine à glace et une machine à confiserie snacks, contenant des barres chocolatées et des sachets de chips, derrière des bouches métalliques, faisant penser à des ressorts de sommier. Provenant de la chambre voisine, de celle dans laquelle il avait l'intention de se suicider, Alfie entendit le premier bulletin d'information, mais sûr qu'il aurait préféré le suivre dans cette ferme, là-bas. Le vent grondait, la neige tourbillonnait autour de ses chaussures de ville. Alfie entra dans sa chambre. L'interrupteur était à gauche. Il alluma et referma la porte. Cette chambre, il la connaissait. C'était la chambre de ses rêves, carrée, mur blanc. Sur l'un d'eux, l'image d'un petit garçon en chapeau de paille, endormi, une canne à pêche à la main. Une moquette verte recouvrait le sol. Un 0,5 cm de matériaux synthétiques, quelconque et tout bosselé. Il y faisait froid, pour le moment, mais une fois qu'il aurait appuyé sur le bouton « I Heat », sur le panneau de contrôle du climatron, sous la fenêtre, il ferait rapidement meilleur. Trop chaud même, sans doute. Une étagère courait le long d'un mur.
Une télé était posée dessus. Et sur la télé, il y avait un carton où on lisait « Film disponible ». Les lits jumeaux étaient recouverts de dessus de lits, dorés, brillants, qui avaient été repliés sur les oreillers, puis passés par-dessus, si bien que ces oreillers donnaient l'impression d'être des cadavres de nourrissons. Une table de nuit, avec l'inévitable Bible Gideon, un guide-table et un téléphone couleur chair séparaient les lits. La porte de la salle de bain se trouvait de l'autre côté du second lit. Quand on allumait la lumière dans la salle de bain, on déclenchait un ventilateur, qu'on en veuille ou pas. Pas moyen d'y échapper, si on voulait y voir quelque chose. La lumière elle-même était un néon pris, dans un verre dépoli, dans lequel gisaient des fantômes de mouches mortes. Sur la tablette voisine du lavabo, il y avait une plaque chauffante et une bouilloire électrique Protoxilex, ainsi que de quoi se préparer un café instantané. Il régnait une odeur dans cette pièce, un mélange de quelques produits nettoyants féroces, et des remugles de fraîchin du rideau de douche. Alfie connaissait déjà tout cela. Il en avait rêvé jusqu'à la couleur verte de la moquette. Mais ce n'était pas un exploit. Rien n'était plus facile à rêver. Il envisagea de brancher le chauffage, mais l'appareil allait lui aussi ronfler. Et quel était l'intérêt? Il déboutonna son manteau et plaça sa valise au pied du lit, le plus proche de la salle de bain. Puis il posa le porte-document sur le couvre-lit doré. Quand il s'assit, les pans de son manteau s'écartèrent comme une jupe ample. Il ouvrit le porte-document, souleva brochures, catalogues, bons de commande, et trouva finalement le revolver. Il s'agissait d'un Smith & Wesson calibre 38, qu'il posa sur l'oreiller. Il alluma une cigarette, tendit la main vers le téléphone, puis se souvint de son carnet de notes. Il le sortit de sa poche. C'était un carnet à spirale, à l'ancienne, acheté $1.49, au département papeterie, d'une grande surface d'Omaha, ou de Sioux City, ou peut-être même de Jubilé, dans le Kansas. La couverture était toute plissée, et tout ce qui avait pu être imprimé dessus était à peu près effacé. Certaines pages étaient en partie arrachées de la spirale, mais aucune ne manquait. Presque 7 ans qu'Alfie se promenait avec ce carnet, depuis l'époque où il vendait des lecteurs de code-barres pour Simonex. Il y avait un cendrier sur l'étagère, à côté de la télé. Dans le secteur, certaines chambres de motel en avaient encore, même au rez-de-chaussée. Alfie alla le prendre, posa sa cigarette dans l'encoche et ouvrit le carnet. Il feuilleta les pages, remplies avec 100 plumes différentes et divers crayons, s'arrêtant pour lire quelques relevés. L'un d'eux disait « J'ai sucé la queue de Jim Morrison avec ma bouche boudeuse de bambin. Lawrence, Kansas. » Les toilettes étaient partout remplies de graffitis d'homosexuels, pour la plupart fastidieux et répétitifs. Mais l'allitération dans ma bouche boudeuse de bambin lui avait bien plu. Un autre disait « Albert Gore est ma pute préférée, Murdo, Dakota. » La dernière page entamée aux 3/4 du carnet ne comportait que 2 relevés. « Ne mâchez pas les condoms, ça goûte la gomme. Avocat, Iowa. » Et « Poupée dopée, t'es pas ma beauté. Papillon, Nebraska. » Alfie était dingue de celui-ci. Quelque chose dans les rimes. P, P. Et tout d'un coup, boum, T. Ce n'était rien de plus, peut-être, que la faute d'orthographe d'un illettré. Il était sûr que c'était ce qu'aurait dit Maura. Mais pourquoi penser de cette façon? Qu'y avait-il de drôle? Non. Alfie préférait se dire, même maintenant, que la faute était intentionnelle, que les 2 E appelaient en quelque sorte le 3e. Un truc légèrement pervers, avec une touche de poésie, à la E.E. Cummings. Il se mit à fouiller dans la poche intérieure de son manteau. Il y avait des papiers, un vieux ticket de péage, un flacon de pilules, des trucs qu'il ne prenait plus. Et au milieu, un stylo, qu'il avait toujours du mal à trouver. Il était temps de consigner les trouvailles de la journée. 2 bonnes, provenant des toilettes de l'aire de repos, où il s'était arrêté. L'une au-dessus de l'urinoir qu'il avait utilisé, l'autre écrite avec un sharpie, sur la carte placée à côté de la machine, à Vubite, pour quelques obscures raisons, Snacks, qui selon Alfie, proposait une meilleure ligne de produits, avait perdu sa licence dans les aires de repos de la I-80, environ 4 ans auparavant. Ces temps-ci, il arrivait à Alfie de passer 2 semaines à parcourir près de 5000 km, sans rien voir de nouveau, ni même une variation acceptable d'un truc ancien. Et aujourd'hui,
deux d'un coup, deux le premier jour, comme une sorte de présage. Sur le corps du stylo, on lisait Cottager, du gourmet Le Bonheur en lettres d'or, à côté du logo, une maisonnette à toit de chaume, avec de la fumée sortant d'une cheminée, bizarrement de guingois. Assis sur le lit, toujours avec son manteau, Alfie se pencha sur son vieux carnet de notes, la mine studieuse, si bien que la page se trouva dans l'ombre, en dessous de Ne mâchez pas les condoms, ça goûte la gomme, Avocat Iowa, et de Poupée dopée, t'es pas ma beauté, Papillon des Braska, il ajouta, sauver les juifs russes, collectionner les objets de valeur, Walton, des Braska, et tout ce que vous aimez sera emporté, Walton, des Braska. Il hésita. Il ajoutait rarement des commentaires, préférant que ces trouvailles gardent l'épaisseur de leur mystère. Des explications auraient rendu banal l'exotique. Du moins, était ce qu'il avait fini par se dire. Au début, il avait moins de scrupules à annoter. Mais de temps en temps, une note de bas de page était plus éclairante que décevante. Il plaça donc un astérisque au deuxième relevé. Tout ce que vous aimez sera emporté. Walton, Nebraska. Et après avoir tiré une ligne 5 cm avant la fin de la page, écrivit. Il remit le stylo dans sa poche, se demandant pourquoi on pouvait avoir envie, lui ou n'importe qui, de poursuivre cette tâche, si près du moment, de tout quitter. Aucune réponse ne lui vint à l'esprit, mais, évidemment, il continuait aussi de respirer. On ne pouvait pas s'arrêter sans quelque brutale intervention chirurgicale. Le vent soufflait en rafale, dehors. Alfie se tourna un instant vers la fenêtre, devant laquelle le rideau, également vert, mais d'une nuance différente de celle de la moquette, était tiré. S'il le rouvrait, il verrait un cortège de lumière sur la Nationale 80. Chaque perle brillante signalant la présence mobile d'un être de chair et de sang. Puis il reporta les yeux sur son carnet. Il avait l'intention de le faire, aucun doute. C'était juste. « Eh bien, respirez, » dit-il à haute voix, souriant. Il reprit sa cigarette, tira une bouffée, la reposa dans l'encoche du cendrier et se remit à feuilleter le carnet. Les relevés lui rappelaient des milliers de restaurants pour routiers, de stands de bord de route, vendant du poulet frit, et d'aires de repos d'autoroute, à la manière dont tel ou tel air écouté à la radio rappelle le souvenir d'un endroit précis, ou d'un moment, ou d'une personne avec qui vous étiez, de ce que vous buviez, de ce que vous pensiez. Me v'là assis ici, le cœur brisé, voulant chier, pouvant péter. Tout le monde la connaissait celle-là, mais il en avait trouvé une variante intéressante dans le double dit steak de Hooker, Oklahoma. Me v'là assis, salement paumé, voulant chier de la sauce Tex-Mex. Je sais que je vais en lâcher une carabinée, pourvu que j'explose pas. Et celle-ci qui provenait de Casey, Iowa, là où la SR-25 croise la Nationale 80. Ma mère m'a fait une pute. À quoi quelqu'un avait ajouté une écriture très différente. Si je procure de quoi, elle m'en fera une. Il avait commencé sa collection à l'époque où il vendait les décodeurs, relevant les graffitis dans son carnet à spirale, sans trop savoir, au début, pourquoi il le faisait. Il les trouvait simplement amusants ou déconcertants, voire les deux en même temps. Puis, peu à peu, il était devenu de plus en plus fasciné par ces messages des grandes routes, où les seules autres communications semblaient le passage en code lorsqu'on roulait sous la pluie, ou bien quelqu'un de mauvaise humeur brandissant son majeur vers vous lorsque vous le doubliez, en soulevant des gerbes de neige. Il en vint progressivement à considérer, ou peut-être à espérer, qu'il se passait là quelque chose. Le petit ton à la Cummings de « Poupée dopée, t'es ma beauté », par exemple, ou la page des mantes de « 1380 West Avenue, tu es ma mère, piquez ses bijoux ». Ou prenez ce classique « Ici assis, joue écarté, je donne naissance à un nouveau Texan ». Sa prosodie, si on l'étudiait de près, était bizarre. Il ne s'agissait pas d'iambes, mais d'une progression tout d'abord 4 syllabes, encore 4, puis 5, puis 6. Bon d'accord, c'est un peu approximatif vers la fin, mais ça ne faisait qu'ajouter à ce que ça pouvait avoir de mémorable. Lui donner le petit quelque chose, le truc tordu, mémotechnique. Souvent, il avait songé à reprendre ses études, à suivre quelques cours pour essayer d'assimiler la versification. Pour savoir vraiment de quoi il parlait, au lieu d'avancer en équilibriste sur le fil de son intuition. Tout ce dont il se souvenait, c'était ce distique. « To be or not to be, that is the question. » Il avait vraiment trouvé un jour,
dans des toilettes sur la Nationale 70, cette citation à laquelle un petit malin avait ajouté « La vraie question est de savoir qui était ton père, crétin ?» Et comment appelle-t-on les autres figures? Le mot « trochée » le revenait à l'esprit. Il ne savait pas, il lui semblait regrettable d'être aussi ignorant. Mais il aurait pu apprendre, c'était quelque chose qu'on enseignait, ce n'avait rien de secret. Vous prenez encore cette variante qu'Alfie avait trouvée partout dans le pays. Assis ici, bien à la peine, j'accouche d'un state trooper du Maine. C'était toujours le Maine, ou toujours un flic de la police de la route, où que l'on soit dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a de la scansion, 4x4, et la rime. Des noms des 50 états, le Maine était le plus court. Il avait envisagé d'écrire un livre, juste un petit. Le premier titre qui lui était venu à l'esprit était « Regardez pas par là, vous pissez sur vos pompes ». Mais c'était pas possible d'écrire ça sur la couverture d'un livre. Jamais un libraire ne le mettrait dans sa vitrine. Sans compter que c'était un titre léger, mousseux, comme du champagne. Il avait fini par se convaincre, avec les années, qu'il avait affaire à un phénomène qui n'avait rien de la légèreté tout en bulle du champagne. Le titre sur lequel il avait fini par s'arrêter était une adaptation d'un graffiti trouvé dans les toilettes d'une aire de repos, non loin de Fort Scott, dans le Kansas, sur la Nationale 54. « J'ai tué Ted Bundy, le code secret des autoroutes américaines » par Alfred Zimmer, titre mystérieux, menaçant, presque érudit, mais il ne l'avait pas fait. Et bien qu'il ait vu « Si je procure de quoi, elle m'en fera une », ajouté à sa réponse « Ma mère m'a fait une pute », un peu partout dans le pays, il n'avait jamais disserté, en tout cas par écrit, sur le manque flagrant de sympathie, le côté « faut te faire une raison de la réplique ». Et que penser de Mammon et le roi du New Jersey? Comment expliquer que c'était probablement plus drôle avec le New Jersey qu'avec n'importe quel autre état? Le seul fait d'essayer paraissait prétentieux. Il n'était qu'un petit mec ordinaire, après tout. Un petit mec ordinaire qui faisait un boulot de petit mec ordinaire. Il vendait des trucs. Une gamme de plats surgelés, pour le moment. Et à présent, évidemment, à présent. Alfie tira une nouvelle bouffée sur sa cigarette, la souffla et appela chez lui. Il ne s'attendait pas à trouver Maura, et ne la trouva pas. C'est sa propre voix enregistrée qui lui répondit, le message se terminant par son numéro de portable, pour le bien que ça pouvait lui faire. Le portable était dans le coffre de la Chevrolet, en rideau. Il n'avait jamais eu de chance avec les gadgets. Après le bip, il dit « Salut, c'est moi. Je suis à Lincoln, il neige. N'oublie pas le plat cuisiné que tu as promis d'apporter à ma mère. Elle l'attend. Et elle m'a aussi demandé des coupons Red Bull. Je sais que tu trouves qu'elle délire avec ses coupons, mais fais-lui plaisir, d'accord? Elle est vieille. Dis à Carlène que je l'embrasse. » Il se tut un instant, puis, pour la première fois depuis 5 ans, il ajouta « Je t'aime. » Il raccrocha. Hésita à prendre une autre cigarette. Le cancer du poumon n'était plus un souci maintenant. Il renonça. Il posa le carnet de notes, ouvert à la dernière page, à côté du téléphone. Il prit le revolver et fit tourner le barillet, chargé. Il remit le cylindre en place d'un coup de poignet, puis glissa le canon court dans sa bouche. Goût d'huile et de métal. Il pensa « Assis ici, je vais me faire la malle, pour que ça j'avale une putain de balle. » Il sourit. Les lèvres arrondies autour du canon, c'était terrible. Jamais il n'aurait noté un truc pareil dans son carnet. Puis une autre idée lui vint à l'esprit, et il reposa l'arme dans sa tranchée, au milieu de l'oreiller. Il tira le téléphone à lui et refit le numéro de son domicile. Il attendit de s'entendre réciter son message jusqu'au numéro de téléphone inutile, puis dit « C'est encore moi, n'oublie pas que tu dois amener Rambo chez le vétérinaire demain après-midi, d'accord ?» ni de lui donner son traitement le soir. Ça lui fait vraiment du bien. Salut. » Il raccrocha et reprit le revolver, mais son regard tomba sur le carnet de notes avant qu'il ait mis le canon dans sa bouche. Il fronça les sourcils et reposa l'arme. Le carnet était ouvert à la page de ses 4 derniers relevés. La première chose que verrait la personne que le coup de feu ferait réagir serait son cadavre, gisant sur le lit le plus proche de la salle de bain, tête pendante, le sang dégoulinant sur la moquette bosselée. La deuxième chose, toutefois, serait le carnet à spirale ouvert à cette dernière page. Il imagina un flic, un state trooper quelconque du Nebraska, pas le genre à écrire sur les murs des toilettes selon les règles de la scansion, lisant ses derniers relevés, peut-être après avoir tourné le carnet vers lui de la pointe de son stylo. Il lirait les 3 premières,
sur les capotes anglaises, sur la poupée dopée et sur les juifs russes, et n'y verrait que pur délire. Il lirait ensuite la dernière. Tout ce que vous avez aimé sera emporté. Et on conclurait que le type avait retrouvé un peu de lucidité, au dernier moment, juste assez pour donner un embryon d'explication à son geste. L'idée qu'on puisse considérer qu'il était cinglé ne plaisait pas à Alfie, d'autant qu'un examen plus approfondi du carnet, qui contenait des remarques comme « Major Evers est vivant et heureux à Disneyland », ne ferait que confirmer cette impression. Il n'était pas cinglé, et les graffitis qu'il avait notés au cours de toutes ces années n'étaient pas l'œuvre de cinglé, il en était convaincu. Et s'il se trompait, si c'était des délires de Barjot, il fallait d'autant plus les étudier. Ce truc sur le fait de ne pas regarder là parce qu'on se pissait sur les chaussures, par exemple. Était-ce de l'humour ou bien de la rage? Il pensa utiliser les toilettes pour se débarrasser du carnet, puis secoua la tête. Il finirait à genoux, les manches de sa chemise remontées au-dessus du coude pour essayer de repêcher le foutu machin, pendant que le ventilateur enflorait et que le néon grésillerait. Et si l'immersion pouvait délayer l'encre, tout ne disparaîtrait pas pour autant. Pas assez. En outre, cela faisait si longtemps qu'il trimbalait ce carnet sur lui. Il avait parcouru tant de kilomètres en sa compagnie, sur les routes plates et sans fin du Midwest. L'idée de s'en débarrasser ainsi lui faisait horreur. La dernière page alors, roulée en boule, une page passerait certainement par le siphon. Mais il y avait toujours ces « îles », aurait tout le reste du carnet, cette preuve évidente de son état mental perturbé. Il dirait « Et encore, on a de la chance qu'il n'ait pas été faire un tour dans une cour de récré avec une mitraillette, histoire de partir avec une bande de gosses, pour lui tenir compagnie. » Et ça poursuivrait Maura comme une casserole attachée à la queue d'un chien. « Vous savez ce qui est arrivé à son mari ?» chuchoterait-on au supermarché. « Il s'est suicidé dans un motel, en laissant un carnet plein de trucs délirants. Encore une chance qu'il n'ait pas tué, elle. » D'accord, il pouvait encore tolérer ça. Maura était adulte. Mais Carlène, d'un autre côté. Carlène. Carlène était. Il consulta sa montre. À son entraînement de basket, voilà où était Carlène, en ce moment même. Ses camarades de l'équipe diraient en gros la même chose que les bonnes femmes du supermarché. À ceci près que ce serait à portée d'oreille de Carlène, et accompagné de ses terrifiants fous rires de préadolescente. Jubilation et horreur mêlées dans le regard. Était-ce juste? Non. Bien sûr que non. Mais il n'y avait rien de juste, non plus, à ce qui lui était arrivé. Parfois sur les routes, on apercevait de grands morceaux de caoutchouc incurvés, morceaux détachés des pneus réchappés qu'utilisent les petits transporteurs. Ainsi se sentait-il en ce moment, comme un pneu au rebut. Les petites pilules rendaient les choses encore pires. Elles vous éclaircissaient juste assez l'esprit pour que vous puissiez vous rendre compte du merdier colossal dans lequel vous étiez. « Mais je ne suis pas cinglé, » dit-il à haute voix. « Ça ne fait pas de moi un cinglé. » « Non, il aurait peut-être mieux valu être cinglé, en fait. » Après avoir repris le carnet de notes et l'avoir refermé d'un coup de poignet, comme lorsqu'il avait remis le barillet du revolver en place, il resta là, à se tapoter la cuisse avec. C'était grotesque. Grotesque ou non, ça lui trottait dans la tête, un peu à la manière dont l'idée que le brûleur du chauffage était resté branché quand il était à la maison pouvait finir par l'obséder au point qu'il se relevait pour le trouver, en fin de compte arrêté et froid. Sauf que cette fois-ci c'était pire, parce qu'il aimait ce carnet et son contenu. Recueillir ses graffitis, penser à eux, telle avait été sa véritable occupation ces dernières années. Non pas vendre des lecteurs de code-barres ou des plats surgelés, qui n'étaient rien de plus que la camelote habituelle, présentée dans un emballage fantasy et pouvant passer au micro-ondes. La délirante exubérance de Helen Keller baise un branleur, par exemple. Cependant, ce carnet de notes pouvait devenir la source de bien des embarras quand il serait mort. Ce serait comme se pendre par accident dans le placard parce qu'on expérimentait une nouvelle manière de se faire jouir et être découvert le calcif par terre et de la merde sur les chevilles. Des trucs de son carnet risquaient de se retrouver dans le journal à côté de sa photo. Il aurait naguère traité cette idée de ridicule, mais aujourd'hui, où même les feuilles de choux des communautés les plus pieuses du pays spéculaient à longueur de page sur le pénis du président, elle n'avait rien d'inimaginable. Le brûler alors? Non, il déclencherait le maudit détecteur de fumée. Le cacher derrière le tableau sur le mur? Celui avec le petit garçon à la canne à pêche et au chapeau de paille?
Voilà qui lui plaisait mieux. Il hocha la tête. Très bonne idée, même. Le carnet risquait de rester planqué, là pendant des années. Puis un jour, dans quelque futur lointain, il finirait par tomber. N'importe qui, un client peut-être, mais plus probablement la femme de ménage, le ramasserait, curieux. Le feuilleterait. Quelle serait la raison de cette personne? Choquée? Amusée? Ou resterait-elle simplement à se gratter la tête, perplexe? Alfie préférait cette dernière hypothèse, parce que le contenu de son carnet avait de quoi laisser perplexe. Elvis a tué la grosse chatte, avait écrit quelqu'un, à Hackberry, Texas. La sérénité dans le carré, avait affirmé quelqu'un d'autre à Rapid City, Dakota du Sud. Et, en dessous, une autre main avait écrit, non crétin, la sérénité égale VA au carré plus B. Si V égale sérénité, A égale satisfaction et B compatibilité sexuelle. Bon, derrière le tableau alors. Alfie avait déjà traversé la moitié de la chambre lorsqu'il se souvint des petites pilules dans la poche de son manteau. Sans compter celles qu'il avait dans la boîte à gants de la Chevrolet, d'une marque différente, mais ayant la même fonction. C'étaient des médicaments délivrés sur ordonnance, mais pas du genre de ceux que prescrirait un médecin si vous vous sentiez, disons, tout bizarre. Si bien que les flics allaient se mettre à fouiller la chambre pour voir s'il n'en avait pas planqué d'autres ailleurs. Et, lorsqu'ils soulèveraient le tableau, le carnet de notes dégringolerait sur la moquette. La moquette verte. Son contenu paraîtrait alors encore pire, encore plus délirant, parce qu'il aurait pris la peine de le dissimuler. Et ils interpréteraient la dernière ligne comme une note laissée par un candidat au suicide, simplement parce qu'elle était la dernière. Peu importe où il laisserait le carnet, c'est ce qui se passerait. Sûr, telle de la merde collant au cul de l'Amérique, comme l'avait écrit un jour un poète d'autoroute texan. S'il le trouve, dit-il, et la solution lui vint à l'esprit. La neige était accumulée, le vent soufflait plus fort, et les petites étincelles de lumière, au bout du champ, avaient disparu. Alfie se tenait à côté de sa voiture couverte de neige, aux limites du parking, les pans de son manteau s'agitant devant lui. À la ferme, tout le monde devait regarder la télévision à présent. Toute la bon Dieu de famille, en supposant que le vent n'ait pas arraché la parabole du toit de la grange, bien sûr. Chez lui, sa femme et sa fille seraient rentrées, après la partie de basket de Carlène. Maura et Carlène vivaient dans un univers qui n'avait pas grand-chose à voir avec les grandes routes du pays, les emballages de hamburgers poussés par le vent dans les voies de délestage, ou le grondement des semi-remorques vous doublant à 110, quand ce n'était pas 130 ou 150, un bruit qui évoquait un effet Doppler. Il ne s'en plaignait pas, espérait-il. Il ne faisait que le remarquer. Personne ici, même s'il y a quelqu'un, avait écrit un inconnu dans les chiottes à Shock Level, dans le Missouri. Et parfois, dans ces toilettes d'air de repos, il y avait du sang, en général juste un peu. Mais une fois, il était tombé sur un lavabo sinistre, sous un miroir d'acier griffé, qui en était à moitié plein. Quelqu'un d'autre l'avait-il remarqué? Signalait-on ce genre de choses? Dans certaines de ces installations autoroutières, les bulletins de météo se déversaient en permanence sur votre tête, et, pour Alfie, la voix qui tombait des haut-parleurs avait quelque chose de fantomatique. La voix d'un spectre qui aurait utilisé les cordes vocales d'un mort. À Candy, dans le Kansas, sur la route 283, dans le comté de Ness, quelqu'un avait écrit « Regarde, je suis à ta porte et frappe. » Sur quoi une autre main avait ajouté « Si c'est pour me fourguer ta cam, tire-toi, sale mec. » Se tenant aux limites de la partie goudronnée du parking, Alfie respirait à petits coups, tant l'air était froid et plein de neige. Il tenait dans sa main le carnet à spirale, pratiquement plié en deux. Pas besoin de le détruire, en fin de compte. Il suffisait de l'expédier dans le champ du fermier John Brown, à l'ouest de Lincoln. Le vent l'aiderait. Il l'enverrait bien à une dizaine de mètres, et les rafales se chargeraient de le pousser encore plus loin. Il resterait là, tout l'hiver, enterré sous la neige, bien longtemps, après le rapatriement de son corps chez lui. Au printemps, John le fermier s'avancerait dans le champ, sur son tracteur, la cabine remplie de la musique de Patti Loveless, ou de George Jones, ou peut-être même de Clint Black, et sa charrue enfouirait le carnet sans qu'il l'ait vu. Après quoi l'objet se dissoudrait dans le grand cycle des choses. À supposer qu'il y en ait un. Du calme, c'est juste le cycle rinçage.
avait-il trouvé écrit à côté d'un taxiphone sur la route 35, pas loin de Cameron, dans le Missouri. Il commença à lever le bras pour lancer le carnet, puis interrompit son geste. Il détestait l'idée de s'en séparer, telle était la vérité. Le fait incontournable, dont parle tout le monde. Mais les choses allaient mal, maintenant. Il leva de nouveau le bras, et de nouveau le rabaissa. Au comble du désespoir et de l'indécision, il se mit à pleurer, sans en avoir conscience. Le vent rugissait autour de lui, en route pour ailleurs. Il ne pouvait plus vivre comme il vivait, il le savait. Pas un jour de plus. Et se tirer une balle dans la bouche serait beaucoup plus facile que tout changement dans sa vie. Il le savait aussi. Infiniment plus facile que d'écrire un livre que seules quelques personnes et encore liraient. Il leva de nouveau le bras qui tenait le carnet, le plaçant près de son oreille, comme un joueur de baseball qui s'apprête à expédier une balle rapide. Puis, resta comme ça. Une idée lui était venue. Il allait compter jusqu'à 60. Si les petites lumières de la ferme réapparaissaient avant qu'il ait fini de compter, il essaierait d'écrire ce bouquin. Pour écrire un tel livre, songea-t-il, il faudrait commencer par parler de l'effet que ça fait d'être multimillionnaire en kilomètres, par parler de l'immensité du pays, par parler du bruit du vent quand on descend de sa voiture, dans une aire de repos, de l'Oklahoma ou du Dakota du Nord. Comment on a presque l'impression d'entendre des mots dans son souffle. Il faudrait expliquer le silence, expliquer les toilettes et leurs éternelles odeurs de pisse, les grimpés lâchés par les voyageurs en partance, et dire comment, dans ce silence, les murs se sont mis à parler. Avec les voix de ceux qui ont écrit, puis sont partis. Raconter tout ça ferait mal, mais si le vent tombait, et si les petites lumières de la ferme réapparaissaient, il le ferait. Sinon, il jetterait le carnet de notes dans le champ, retournerait chambre 190, juste après la machine Snacks, et se tirerait une balle dans la bouche, comme prévu, l'un ou l'autre. Alfie commença à compter dans sa tête, attendant de voir si le vent allait tomber. Note de l'auteur. J'aime conduire, et je suis particulièrement accro à ces longs trajets du Midwest, au cours desquels on ne voit rien, sinon la prairie des deux côtés de la route, et une aire de repos, avec des toilettes en parpaing, à peu près tous les 60 km. Ces toilettes abondent toujours en graffitis, dont certains sont extrêmement étranges. J'ai commencé à collectionner ces dépêches venues de nulle part, les recueillant dans un petit carnet de notes. J'en ai trouvé d'autres par internet, deux ou trois sites leur sont consacrés. Et j'ai finalement imaginé l'histoire pour laquelle elles étaient faites. Voilà. J'ignore si elle est bonne ou non, mais je suis très attaché au solitaire qui en est le héros. Et j'espère sincèrement que les choses ont bien tourné pour lui. C'était le cas, dans la première version, mais Bill Bufford, du New Yorker, m'a suggéré une fin plus ambiguë. Il a sans doute eu raison, mais que cela ne nous empêche pas de dire une prière pour tous les Alzheimer de ce monde. Stephen King.